Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, sur Pokémon. Et aujourd'hui les gars, enfin sur Pokémon pas trop, c'est juste, on va dire, quel que soit, un retour dans le temps. Mais les amis, tout simplement, je vais vous ressortir mes cartes Pokémon que j'avais quand j'étais à la maternelle. On est d'accord qu'on avait tous ça en maternelle. Du coup, et j'espère que vous êtes prêts les gars, c'est directement parti. Let's go. Alors, pour commencer les potes, nous avons Fan Club Pokémon. Donc voilà cette carte, je vous laisse l'apprécier. Après, j'ai vu le blanc. Après, nous avons Caraclé. Donc aussi, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou si c'est nul, parce que moi, j'y connais rien en carte Pokémon. Du coup, Caraclé, les potes, regardez ça. Elle est incroyable. Magnéti. Voilà Magnéti, les potes. Franchement, elle est assez stylée. Regardez ça. Quand même assez folichon. Folichonnage, les gars, je parle pas de nichon quand je dis ça. Une énergie violette, tout simplement. Chenipan. Comme vous voulez. Moi, je sais pas comment on dit. Mais voilà, les potes. Après, je prends. Allez, dans le fait qu'on a tout ça. Comme ça, les gars. Tout ça. Nous avons un Grafena. Carte très vieille qui est même endommagée. Nous avons Rubombel. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars, hein? Une énergie bleue. On a Mustéboué. Regardez ça, les potes. Hein. C'est vraiment de la mortadelle. Et si tu avais des cartes Pokémon quand tu étais petit, tu peux liker et t'abonner à la chaîne YouTube. Les gars, on arrive proche des 500 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi si vous voulez que je fasse les ouvertures sur les cartes comme celle-ci, les gars. Dites-moi vraiment. C'est ce qu'on gagne dans des magasins. Du coup, j'essaierai d'en avoir à chaque fois. Donc, énergie bleue encore. Énergie verte. Evoli, les potes. Voilà, Evoli. Ensuite. Ponchio les gars. J'avais déjà fait une vidéo comme ça où je montrais mes cartes, mais il n'y avait pas toutes les cartes. Nous avons Granivol. Ok. Nous avons Miasme. Les gars, si vous avez déjà eu une carte Pikachu, tu peux t'abonner. Et bien sûr, partager cette vidéo énergie violette. Ensuite, nous avons l'épidonille. Ensuite de l'épidonie, nous avons ensuite Toge de Marou. Donc voilà, assez sympathique les potes. Nous avons Roku les gars, que je connaissais pas. Voilà. Après nous avons Chronoball. Donc ça c'est les cartes dont nous avons rien à foutre tout simplement. Nous avons Voltorb tout simplement. Voltorb qui est un Pokémon. Ensuite, les gars, attends, je la garde pour la fin. Je suis chaud de la garder pour la fin. Je la garde pour la fin, celle-là, les gars. Je pense que c'est la plus meilleure que j'ai. Nous avons Énergie Grise. Opermine, tout simplement Opermine. Donc, dites-moi si c'est bien. Moi, j'y connais vraiment rien, les gars. Merci de me le dire. Dans l'espace commentaire qui a été réactivé aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Après, nous avons Psy Tigre. Psy-Tigre, mec, il est assez mignon, je veux pas le contrarier personnellement parlant. Nous avons Diamat, manage. Ouais, Diamat, perfecto de perfectance challenge. Tignon, ah, qui n'a pas Tignon, franchement, attendez, elle est tombée par terre, les gars. Qui n'a pas Tignon, franchement, plus sérieusement, personnellement parlant, qui n'a pas ce mec, tout simplement. Après, nous avons Tilly, donc c'est un dresseur. Nous avons après Zoroa, les gars, qui est assez mignon et qui contient 60 PV. Nous avons Chris, je ne sais point qui c'est. Après, nous avons une énergie rouge, les gars. Donc ça, c'est... Je sais pas si c'est la différence. Attendez, entre... Je crois que ça, c'est les nouvelles énergies. Ça c'est les nouvelles, je sais plus. Je crois que ça c'est les anciennes, mais ça c'est les nouvelles, les gars. Mais je sais plus. Après nous avons Flotajou. Donc Flotajou, il va flotter sur ses joues, tout simplement.
Après, nous avons Frisson. Franchement, stylé. Franchement, assez stylé. 120 PV, les gars. Après, les PV, ils ne veulent rien dire. Nous avons Pifeuille. Pifeuille, les gars. Regardez ça, Pifeuille. Il a l'air tout simplement vénère. Les gars, les énergies, je vais bien sûr les passer parce que je pense que vous en aurez marre au fur et à mesure, au fil du temps, les gars. Nous avons Smogo. Smogo. Feuilletant. Juste là. Après, nous avons coup de langue. Coup de langue. Coup de langue. Ok, c'est. J'ai eu coup de langue, mais en fait, c'est coup de langue. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et là, les gars, nous avons une Shiny. J'espère que c'est ça. Bah ouais. Parce que. Je me trompe, mais je regarde beaucoup. Oula! D'ouverture Pokémon, les gars. Dites-moi si c'est bien ou pas bien, ça, dans les commentaires. Nope! Et merci. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, tu peux mettre le mot carte dans les commentaires. Nous avons Solarok. Juste là, les gars. Solarok. Ensuite de Solarok, nous avons. Kirlia. Ma Kirlia. Après, nous avons encore le fan club de Pokémon. Après, nous avons Margie, Masco qui est quand même assez incroyable. Voilà, il n'y a que des énergies bleues, les gars. Là, j'étais en train de trier pendant que je vous montre la carte. Que des bleus, là. Que des bleus. Ensuite, nous avons Rhinocorne. Qui n'a pas Rhinocorne? Franchement, les gars, qui connaît pas Rhinocorne? Encore des énergies, waouh. Colin, la potisse, les gars. Après, nous avons Pimplouf. Ensuite de Pimplouf, nous y avons Miaouss. Et je parle pas de Miaouss clé. Après, nous avons Poussifeu, les gars. Ça se rapproche un minimum de Dracaufeu. C'est vraiment folichonnage, folichon. Et je parle pas de nichon quand je dis ça, les gars. Après, nous avons tout simplement l'ombre. Et ensuite de l'ombre, nous avons Psytigri, que j'avais déjà montré que je l'ai sans doute en double. Ensuite, nous avons Chenipot, la mortadellienne. Après, nous avons Rhinocorne, encore une fois, les gars. Moi, j'ai des fois les cartes bleues en double. Petit Lille, les gars, regardez ça. Après, nous avons Tritox, que je trouve quand même assez stylé. Regardez, assez beau. Assez original, mais très stylé. Nous avons Voltorb, les gars, regardez ça tout simplement. Après, les gars, je vous ferai une vidéo sur toutes mes énergies. Après, sur tous les dresseurs. Et après, toutes les cartes. Après, nous avons Prof Euron. Merde, oh, elle est encore tombée par terre, mais les gars. J'essaye de ramasser avec le pied. Meilleur défi du monde, je gagne. Bien évidemment. Bien évidemment. Prof Euphorb. Enfin, voilà, lui je l'aime pas. Après, nous avons un échange, encore un dresseur, les gars. Après, nous avons le fortifiant aquatique. Vous pouvez observer ça de plus près pour ceux qui veulent voir et qui s'intéressent à ça. Ça me ferait extrêmement plaisir. Après, nous avons Psystégri, mais dans un autre petit photo. Elle est vraiment trop mignon. On approche vers la fin et on a Picasso. Et n'oubliez pas qu'à la fin, nous avons une carte assez stylée. Pour moi, en tout cas, nous avons Picasso juste là, les gars. C'est un petit oiseau, se nomme Picasso. Après, nous avons Matoufeu, les gars. C'est vraiment mortadalien, folichonnage, folichon. Et je parle pas de nichon. Hein. Et pour la suite, les gars, pour le final, je vous dis juste que vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes vraiment pas prêts. Vraiment. Enfin, après, je sais pas si vous êtes pas prêts, les gars. Mais. Nous avons Pikachu, tout simplement. Pikachu tout court. Tout court, les gars. Après, je pense pas que la carte soit rare parce que quasiment tout le monde l'a, les gars. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu en ma compagnie, les amis. Et n'hésitez pas à liker, cliquer là pour voir une petite autre vidéo. Et abonnez-vous soit là ou soit là à ma chaîne YouTube, les gars. Et pour maintenant, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.